Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le pays de Lyons-la-Forêt dans le département de l'Eure. Vous allez le voir, ce territoire est un véritable écrin de nature, de culture et d'histoire. Et pour bien commencer notre balade, nous allons prendre de la hauteur pour admirer au milieu de la plus belle étraie de France, le charmant village de Lyons-la-Forêt. Lyons-la-Forêt est un joli village d'environ 800 habitants qui a su conserver la richesse de son patrimoine normand. Sa configuration actuelle, en arc de cercle, s'est construite au fil des siècles. Alors, Lyons-la-Forêt est un petit peu atypique puisqu'il faut se replacer pratiquement en l'an 900 où toute la vie de Lyon se passait dans le bas du village, dans la partie de l'église. En 930, le premier duc de Normandie a fait édifier sur la partie haute où nous nous trouvons une très grosse demeure. Ensuite, en l'an 1000, Guillaume le Conquérant, que tout le monde connaît, a fait édifier une très grande forteresse tout autour de cette grande résidence. Et ensuite, c'est seulement en 1130 qu'Henri Ier Beauclerc, qui était roi d'Angleterre, fait immigrer donc toute la partie basse du pays vers la partie haute du village. Et donc c'est comme ça que vous avez cette configuration tout autour de l'ancienne motte féodale. Cette histoire riche et ancienne est aujourd'hui encore inscrite dans les édifices de Lyons-la-Forêt. La halle, au centre du village, en est un témoin remarquable. Elle est classée au titre de monument historique. Elle est attestée en fait depuis le XIVe siècle, mais c'est en 1776 que le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, petit-fils illégitime, fait restaurer cette halle et l'agrandit. Alors on peut remarquer que le bois utilisé, c'est du chêne, issu exclusivement de la forêt de Lyons. Cette halle, elle est loin d'être un simple monument historique. Elle fait partie encore aujourd'hui de la vie locale, de la vie de la population. Elle abrite trois fois par semaine le marché local, le marché des producteurs locaux, et aussi dans le grenier des expositions d'artistes contemporains et également des concerts sous la toiture. Tout comme la halle, de nombreux bâtiments sont classés monuments historiques à Lyons-la-Forêt. Le couvent des Cordeliers, la salle de bailliage de l'hôtel de ville, le couvent des Bénédictines. Édifié au XIIe siècle, c'est la partie basse, donc l'enceinte du couvent, qui vaut son inscription au titre des monuments historiques. Nous pouvons donc admirer sa façade en briques, grès et silex, qui donne sur la vallée de l'Allier. C'était au XVIe siècle le pavillon de chasse du roi Charles IX. Puis ensuite, au cours du XVIIIe siècle, le couvent abritait les moniales bénédictines de Saint-Charles. Aujourd'hui, et depuis le XIXe siècle, il accueille l'école communale. Et le square dans lequel on se trouve, c'est le square des Trois Moulins. Pourquoi ? Trois moulins, parce qu'il existait trois moulins pour transformer l'eau, l'Allier, en énergie hydraulique. Donc l'Allier qui n'est pas un cours d'eau naturel, mais un canal dévié par l'homme justement pour cette raison. Elina, nous sommes arrivés devant la mairie de Lyons-la-Forêt. Exactement, nous sommes devant l'hôtel de ville, construit en 1782 par le duc de Penthièvre, un seigneur de Lyons. Et c'est pour cette raison qu'on peut remarquer sur la façade de l'hôtel de ville le cusson avec les armoiries du duc de Penthièvre. La salle de bailliage est toujours visitable au premier étage. Elle garde sa teinture rare en chanvre et lin tissé du XVIIIe siècle. Et en rez-de-chaussée, on peut visiter un des cachots de l'époque. Le village est resté comme à l'époque du XVIIe siècle, n'a pas évolué du tout, puisqu'on a échappé, si vous voulez, à deux événements importants, la révolution industrielle, et puis on n'a pas eu non plus de faits de guerre, de bombardements, ni rien. Donc en fin de compte, Lyon s'est resté intact avec des maisons du XVIe, XVIIe siècle. Et parmi ces maisons typiques du patrimoine normand, certaines valent le détour, comme celle du poète Isaac de Benserade, faite de briques, de pierres et de pans de bois.
Isaac de Benserade y est né en 1612. C'était un célèbre poète de la cour de Louis XIV et on dit même qu'il était le rival de Molière. C'était un homme peu fortuné, mais selon l'histoire, il a été entretenu par des femmes bien plus fortunées que lui. Parce qu'il était très beau. Voilà. La maison où a séjourné Maurice Ravel est aussi un lieu incontournable dans le village. Le compositeur y fait de nombreux séjours entre 1911 et 1922, trouve l'inspiration et compose de nombreux morceaux comme le tombeau de Couperin. C'est une œuvre qui relate son vécu de la guerre, qui l'a extrêmement marqué. Bien qu'il ait été réformé en raison de sa santé assez fragile, il était décrit comme un homme d'une silhouette assez frêle, pesait 50 kilos et d'une sensibilité extrême. Des cinéastes ont également été inspirés par le charme et l'authenticité des lieux. Vous avez Renoir et puis Chabrol en 1990, qui est venu tourner Madame Bovary ici. Lyon-Saint-Forêt et tout autour de la halle a servi de décor naturel, puisqu'il y avait pratiquement peu de maisons qui ont été transformées pour le film. Aujourd'hui, une vraie vie locale existe à Lyon-Saint-Forêt. Tous les commerces de proximité sont présents, boulangerie, pharmacie, banque, coiffeur, restaurant. On a la chance à Lyon-Saint-Forêt d'avoir des établissements hôteliers de haut de gamme, la Licorne Royale, avec un chef étoilé au Michelin, donc une étoile au Michelin, donc on a ce bonheur-là, le Grand Cerf également. Nous avons un petit village de 800 habitants seulement, 4 hôtels-restaurants, plus encore 3 autres restaurants, donc en matière de gastronomie, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir tous les visiteurs et les Lyonnais. L'hôtel de la Licorne est situé à Lyon-Saint-Forêt et est partie intégrante du village depuis 1610. L'hôtel de la Licorne est un hôtel 4 étoiles et qui a été rénové en collaboration avec la maison belge Flamand. Donc ici, nous possédons 21 chambres sur 3 différents types de confort, privilège de la prestige et de la suite. Et donc depuis 2010, nous sommes dotés d'un spa Nuxe. Donc nous sommes associés avec la marque de cosmétiques française Nuxe, où nous possédons un spa de 700 mètres carrés. Donc avec une partie dédiée à la piscine intérieure et extérieure, le jacuzzi, sauna et et un espace bien-être. Et depuis 2012, nous sommes dotés également d'une cabane perchée qui permet de faire des soins entre guillemets à 10 mètres de hauteur dans la cabane perchée. Et votre cuisine, elle est réputée, mais ça, c'est votre chef qui va tout nous raconter. Tout à fait, le chef Christophe Poirier, qui a obtenu depuis 2014 une étoile au guide Michelin et qui a remporté le célèbre concours Prosper Montagnier en 2015. Je suis le chef des cuisines depuis maintenant 8 ans déjà. Parlez-nous de votre cuisine, faites-nous envie. C'est une cuisine incisive, une cuisine qui est faite sur le moment parce que je travaille les produits frais. Tous les jours, j'ai des arrivages importants, que ce soit sur les légumes, sur le poisson, sur la viande. D'ailleurs, notre viande vient de notre propre production maintenant. On a un élevage très, très riche de ce côté-là, donc ça, c'est important pour nous et ça fait valoriser un petit peu de notre savoir-faire. Je suis surtout plutôt dans la tradition de la cuisine française, que je revisite à ma manière, beaucoup plus légère, des cuissons beaucoup plus précises et une netteté dans l'assiette. Je triche pas sur les cuissons, sur les assaisonnements et surtout c'est au niveau du goût. Le goût est important. Voilà, c'est une cuisine plutôt originale. Et d'ailleurs, vous, votre cuisine, elle est souvent récompensée. Dites-nous tout. Récompensée parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de tous les jours, c'est des remises en question tous les jours qui sont importantes. Et puis une motivation et des gens qui sont passionnés, qui travaillent avec moi. Après toutes ces belles rencontres et découvertes, nous quittons Lyon-Saint-Forêt, un des plus beaux villages de France. Pour un endroit non moins dénué de charme, un endroit calme et verdoyant, l'Arboretum de Lyons. Bonjour, qu'est-ce que vous regardez ? Ah, je regarde le feuillage des arbres. Et alors, il est comment ce feuillage ? Eh bien, pour certaines espèces, ça va. Pour d'autres, il est un peu différent des autres années. Quelles espèces on peut trouver ici à l'Arboretum de Lyons ? Alors ici, il y a une centaine d'espèces d'arbres du monde entier, de zones tempérées malgré tout quand même. Elles sont réparties par continent, donc on peut les découvrir au gré de la géographie, hein, parce que c'est un lieu vraiment basé, calé sur la connaissance et la reconnaissance des milieux géographiques aussi. Et c'est un lieu qui est en plein cœur de la forêt domaniale de Lyons ? Oui, donc on est à 5 km du village.
village, mais en plein cœur de la forêt. Donc c'est un lieu paisible, calme, où on peut se ressourcer et puis vraiment découvrir et voyager en très peu de temps. Et comme on veut en plus, puisqu'il y a plusieurs parcours. Voilà, donc il y a un petit parcours découverte là qui fait 1 km et puis des parcours d'orientation permanent un peu plus longs, là où on va plutôt jouer, découvrir et s'amuser à la recherche d'espèces inconnues ou plus connues. Et pour vous, c'est une vraie passion de connaître toutes ces essences d'arbres ? Et ben, on apprend tous les jours, hein, malgré tout. Hein, on a beau être dans ce métier, on a énormément de choses à apprendre régulièrement et puis de le faire partager aussi. Et vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent voir l'arboretum de Lyon, c'est vous demander des conseils ? Voilà, ben, en fait, on a du monde toute l'année, hein, toute saison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent à différentes saisons. Et puis, effectivement, ben, quand on est là, les gens posent des questions. Oui. Et l'arboretum, je remarque qu'il est vraiment très bien entretenu. Il a été récemment rénové. Voilà, donc c'est un travail collectif, hein, avec des associations, avec les collectivités locales. On s'est mis tous autour de la table pour voir comment on l'aménagerait au mieux et puis pour qu'il soit le plus agréable possible. Et ce qui est intéressant aussi ici à l'Arboretum de Lyon, c'est qu'il y a différentes animations tout au long de l'année. Effectivement, oui. Ben là, on arrive à la période estivale, par exemple. On va avoir les dimanches des démonstrations de Qigong. On peut avoir des animations sportives aussi sur place ou plutôt découvertes patrimoine. Voilà, donc un peu toute l'année. Voilà, et découvrir cet arboretum qui a combien d'hectares à peu près ? Alors, il y a 8 hectares. Hein. Il y a 2,50 hectares d'arboretum de collection. Et puis le reste qui est arboretum forestier. On va avoir différentes ambiances forestières. Donc, on se plonge, on s'immerge dans des forêts d'ailleurs. Voilà, et c'est fantastique. Ben, merci à vous. Je vous en prie. Direction maintenant le musée de la ferme de Rome, où nous attendent Jacques et Micheline Renaud. Le musée, c'est un musée du lait, du beurre et du fromage. Nous avons plus de 2000 objets qui servaient à faire les produits laitiers. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce musée ? On a collectionné il y a 35 ans et puis un jour on s'est dit nous allons faire ce musée-là. J'ouvre le musée, c'est pour les jeunes générations, pour qu'ils viennent voir comment nos parents, nos grands-parents travaillaient autrefois. Et votre musée, il est situé où exactement et il est ouvert quand ? Le musée est situé à 12 km de Lyon-la-Forêt. Il est ouvert les samedis et le dimanche de 14h à 18h et en juillet et août, il est ouvert tous les jours. Le musée de la ferme de Rome est également un endroit de convivialité et de dégustation. Je vous invite tout particulièrement à goûter les fameuses crêpes de Micheline Renaud. Allez, trêve de gourmandise, je vous emmène dans la vallée de l'Andelle pour découvrir un lieu d'excellence. L'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard. Olivier Montpoint, le propriétaire des lieux, veut redonner à cette abbaye classée monument historique toutes ses lettres de noblesse. L'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard est une abbaye dont les premières traces datent de 1135 avec la construction d'un petit prieuré. Et ensuite, en 1190, Robert aux Blanchemains, comte de Leicester et ami de Richard Coeur de Lion, ami et confident, a décidé de construire cette abbaye, de donner les terres. Et cette abbaye a été construite donc entre 1190 et 1253. Elle a été rattachée en 1207 à l'ordre de Cîteaux. Donc c'est une abbaye cistercienne et une abbaye de femmes cisterciennes, donc de moniales cisterciennes. C'est une abbaye qui a été construite au fond d'un vallon. C'était une vallée marécageuse autrefois. Maintenant, ça a un petit peu changé. C'est un lieu qui est vraiment reculé, loin des chemins de grande communication, comme le souhaitaient les cisterciens. Et on y ressent vraiment l'esprit démonial, un lieu de quiétude, de sérénité, où il est bon de se ressourcer. J'ai eu un véritable coup de foudre pour cette abbaye. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement authentique, au moins ce qu'il en reste. Parce que la Révolution, évidemment, surtout en Normandie, a beaucoup abîmé des abbayes. Les bâtiments conventuels qui sont restés présents, l'aile démoniale et puis les ruines de l'abbatiale sont restés authentiques. Ils n'ont pas été transformés au XVIIIe siècle comme beaucoup d'abbayes. Ce qui lui procure justement cette vision très moyenâgeuse. Les jardins de l'abbaye de Fontaine-Guérard sont des jardins qui sont composés de trois éléments. Le jardin du savoir qui est derrière moi, le jardin des quatre éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau.
et le jardin de méditation. Le jardin du savoir est en pleine transformation. Nous allons le réaménager et le transformer petit à petit en jardin de sculpture. Ma sœur, qui est dermatologue à Montpellier et qui a quelques talents artistiques comme d'autres membres de ma famille, a créé ces sculptures suite à son séjour en l'abbaye pendant quelques temps l'année dernière. Ma sœur a été émue par ce lieu et elle a vraiment ressenti un appel démoniale ici présente, auquel elle a voulu répondre en créant ces sculptures. Donc ce sont des sculptures démoniales qui sont toutes en transparence, comme l'esprit démonial ici présente. L'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard est un véritable lieu de spiritualité où l'on peut se ressourcer, revenir à l'essentiel, et c'est aussi un lieu de légende, puisque... sont enterrés, d'après la légende des deux amants, Raoul et Mathilde, qui sont symbolisés au pied de l'abbatiale par le pin et le marronnier intimement entrelacés. Cette abbaye est un lieu d'échange, de partage, où on doit ressentir une profonde humanité. C'est un lieu qui permet d'être le théâtre d'expression de multiples activités et animations. On y propose des conférences, des concerts, des expositions de peinture, de sculpture, et aussi des animations comme des fêtes médiévales ou des week-ends vénitiens. L'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard est un lieu privé, comme vous l'avez compris, mais que je ne veux pas garder égoïstement. Je l'ouvre au public dans un esprit de partage, de rencontre. Cela permet de rencontrer beaucoup d'artistes, de rencontrer aussi des visiteurs, des passionnés d'histoire, d'architecture, et même simplement des gens qui sont curieux, qui sont en quête d'histoire, en quête de connaissances. Et la saison touristique débute le 1er mai de chaque année pour s'achever en général fin septembre. J'ai aussi créé l'année dernière une association qui s'appelle Esprit de Fontaine-Guérard et qui permet à toutes les personnes qui souhaitent entrer dans ce projet au service de l'abbaye de partager leurs idées, leur dynamisme, tout ce qu'elles peuvent mettre en place de façon à faire vivre pleinement cette abbaye et à lui donner un nouveau rayonnement culturel. Nous quittons ce cadre enchanteur, bercé par le doux murmure de la source qui donna le nom à ce lieu, la fontaine qui guérit, pour une autre abbaye, une abbaye royale cette fois-ci, l'abbaye de Mortemer. L'abbaye royale de Mortemer a été fondée par Henri Ier Beauclerc, qui était le quatrième fils de Guillaume le Conquérant, donc duc de Normandie et roi d'Angleterre. Donc elle a été construite, cette abbaye cistercienne, pour pouvoir accueillir donc les gens de passage, en particulier les seigneurs qui venaient discuter les traités avec Henri Beauclerc. Et puis donc ensuite, elle a continué à prospérer et elle a été complètement abandonnée à la Révolution, où elle a servi de carrière de pierre. Les abbayes cisterciennes, donc le nom vient de cistelles, qui sont des roseaux, et puis donc cistelles, citeaux, cisterciens. Donc dans toutes les abbayes cisterciennes, on trouve de l'eau. Et chez nous à Mortemer, on est très gâtés puisqu'on a trois grands étangs, mais dans toutes les abbayes dites cisterciennes, il y a obligatoirement de l'eau. C'est une abbaye d'hommes et il y avait jusqu'à 300 moines ici. C'était la plus grande de Normandie à l'époque. Et donc une autre abbaye a été créée à partir de celle-ci, c'est celle de Gruchet-la-Valas. Donc l'abbaye de Mortemer, abbaye royale, énorme abbaye en Normandie au XIIe siècle. L'abbaye a en particulier son colombier qui est resté intact et surtout à l'intérieur, on a les boulins, c'est les nids de pigeons qui sont restés en torchis. On a gardé l'échelle tournante, l'escalier pour aller chercher les petits pigeons puisque à Mortemer, les invités pouvaient manger de la viande sous forme de pigeonneaux qu'on allait chercher dans le colombier. Le site est exceptionnel à Mortemer puisqu'on a une luminosité extraordinaire. C'est un site qui fait 18 hectares, des temps avec des petits animaux de toutes sortes, avec des fleurs exceptionnelles, une faune exceptionnelle. Et donc c'est un lieu très prisé, puisque c'est un lieu de calme, de recueillement, et puis aussi ici passe beaucoup de choses, des spectacles historiques, puisqu'ici nous sommes au conservatoire du costume médiéval, avec des costumes qui sont faits à la main, et puis des spectacles historiques tout à fait authentiques.
Alors nous avons deux musées dans l'abbaye, le musée de l'étage, où sont présentés des objets exceptionnels, comme des reliquaires, des objets de cire, donc des objets religieux, hein, catholiques. Et dans le sous-sol, ben, c'est le musée des légendes et fantômes. Avec un son et lumière, on évoque toutes les légendes et tous les fantômes qui peuvent tourner autour de l'abbaye. Et il y en a de nombreuses. Alors il y a un exorciseur qui est présent parce que l'abbaye était tellement hantée que les générations précédentes ont exorcisé l'abbaye. Mais qu'on se rassure, il nous reste quand même quelques-uns. D'ailleurs, on fait des spectacles, ça s'appelle les Nuits des fantômes, et ça, ça a un succès extraordinaire. Mais ce sont des spectacles toujours historiques, toujours de bon goût. C'est pas la tronçonneuse, c'est pas la, la tronçonneuse. On peut dire aussi que l'abbaye est très particulière parce qu'elle est la seule abbaye en France et certainement en Europe à montrer les 15 ducs et duchesses de Normandie. C'est notre metteur en scène qui s'appelle Vitas qui a construit ces statues plus grandes que la taille normale. Et on rencontre donc au détour d'un chemin qu'on appelle le chemin des ducs, les ducs et duchesses de Normandie. Nous avons maintenant rendez-vous avec Adrienne Desbioles au château de Saint-Crépin, un lieu chargé d'histoire où a notamment séjourné le peintre Bernard Buffet. Et c'est dans l'ancienne orangerie du château que nous accueille Adrienne Desbioles. Cette ancienne orangerie est aujourd'hui une galerie d'art aux nombreux trésors venus du monde entier. Je voyage 3-4 fois dans l'année. Je vais ou en Asie, en Amérique du Sud ou en Chine et je vous ramène des objets anciens, nouveaux, des objets d'artisanal, des objets de déco que je vous ramène ici pour y a un peu de tout. Et puis je trouve des artistes lors de mes voyages aussi et puis quand je peux me les ramener ici, on les ramène avec nous ici. L'idée c'était ça aussi, d'avoir des objets de tous les budgets. Nous avons, ça commence à 3 euros. Et ça se termine à des gros budgets, disons, à des gros budgets. L'exposition au premier étage, c'est Soyons ouf, elle s'appelle Soyons ouf. C'est une exposition qui a été montée avec service psychiatrique, enfance et adolescence de la Pitié-Salpêtrière à Paris et du CHU de Rouen, avec les professeurs Cohen et le professeur Gérardin. Elle dure donc du 1er juillet au 31 août. D'ordinaire, on fait l'exposition avec des artistes ou des peintres ou des sculpteurs. On fait également des expositions à thème, comme à la rentrée, on fait une exposition sur la femme. Après, on va faire une exposition sur les vanités. Et on fait aussi des concerts qu'on fait notamment avec Oswald Salaberger, classique en principe. Ce qui nous tient aussi à cœur, c'est le lieu et entrée libre. Donc elle est ouverte à tout le monde. Les expositions sont visibles gratuitement pour laisser l'accès à la culture à tout le monde. Je vous invite vraiment à découvrir l'univers artistique de la galerie Adrienne Desbioles. Ça vaut le détour. Allez, nous partons maintenant à la découverte du château de Fleury-la-Forêt, un château classé monument historique, dont l'histoire remonte au XVIe siècle, avec la famille de Caumont qui a fait construire ce château. Ensuite, il y a eu de nombreux propriétaires, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où le château a été réquisitionné et occupé par les Allemands. Après cette occupation, le château sera abandonné pendant 30 ans, et à partir des années 78, mes parents racheteront ce château et le sauveront de l'abandon, puisqu'il avait subi quelques dommages. Ils se sont efforcés de le rénover. Et pour ma part, je l'ai repris en 1995 et on a continué le travail pour le rendre complètement habitable. Dans le château, effectivement, il y a 65 pièces. Nous sommes actuellement à 60 pièces rénovées. Des pièces pour le musée, avec les pièces salon, chambre, cuisine. Il y a deux très belles cuisines dans le château. Il y a également des chambres d'hôtes qui permettent à des clients étrangers et français de venir habiter, loger dans le château pour une nuit. Le thème, il est forcément lié au château, avec du mobilier d'époque, des lits à baldaquin,
Donc c'est une immersion totale dans la vie du XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, avec bien sûr du confort moderne dans les salles de bain, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir une bassine pour se laver. Il y a des douches et des baignoires bien équipées. Alors l'essentiel du musée, ce sont donc les pièces meublées, des très belles cuisines, et en parallèle, il y a également une belle collection de poupées anciennes qui est visible au deuxième étage du château. Il y a un manège de poupées qui permet de voir des poupées en mouvement, des poupées qui sont pour la plupart du 19e siècle avec leurs vêtements d'époque. Le château est classé monument historique. Il a une très belle perspective avec une orientation est-ouest. Et cette perspective a permis son classement puisqu'il n'y a aucune urbanisation autour du château et on a une perspective qui va jusqu'à la forêt de Lyons. Beaucoup de personnes viennent nous rendre visite. Il y a donc des étrangers pour les chambres d'hôtes, pour les visites et nous accueillons également des mariages. Donc beaucoup de personnes passent effectivement dans ce site qui est à la base un endroit, un lieu qui était fait pour accueillir beaucoup de monde puisque les châteaux de province accueillaient souvent la cour du roi. Et beaucoup de personnes qui soit habitaient en château, soit rendaient visite au propriétaire du château. Tous les jours, effectivement, nous sommes sur place pour entretenir cette grande maison qui nécessite de l'entretien au niveau du parc, au niveau des intérieurs, des gros travaux de rénovation au niveau des toitures. Mon couvreur me dit souvent, Monsieur Caffin, il y a toujours une génération qui s'occupe des toitures des châteaux. Il n'y a pas de chance, c'est tombé sur vous. Après cette agréable visite du château de Fleury-la-Forêt, en compagnie de son propriétaire, direction sans plus tarder, le château de Vaccueil, où nous attend Marie-Laure Papillard, la directrice des lieux. Le château de Vaccueil, situé à l'orée de la forêt de Lyons, est aujourd'hui un centre d'art et d'histoire renommé. L'histoire du château de Vaccueil, à peu près 1000 ans d'histoire, marquée par essentiellement une origine militaire, de tours de défense octogone du XIIe siècle, qui était une tour de défense reliée à Château-Gaillard. Donc on défendait la Normandie française contre les invasions anglaises. C'était plus les Vikings, mais c'était les Anglais. Une fois la Normandie réunifiée, cette vocation militaire de Vaccueil est tombée et les meurtrières qui servaient de fenêtres ont été ouvertes et sont apparues au XVIe et XVIIe les bâtiments ruraux, le colombier, les écuries qui sont l'actuelle boutique, la ferme, sa grange d'Imières, le moulin qui se trouvait au-dessus de la chute d'eau actuelle et tout ceci vivait en autarcie. Et puis au XIXe siècle, nous sommes devenus une maison d'écrivains avec la présence de l'historien Jules Michelet qui est aujourd'hui, dont la mémoire est honorée au sommet de la tour avec la reconstitution de son cabinet de travail et avec le seul musée Michelet qui a été créé par mon père dans les années 1989 dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française et qui est le seul musée Michelet existant en France. Et on s'achemine vers les temps modernes et en se cheminant vers les temps modernes, on trouve la vocation artistique du lieu. Depuis 1970, nous accueillons ici les plus grands artistes contemporains, puisque c'est un centre d'art et d'histoire, inauguré par le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Duhamel. Et depuis lors, tous les grands artistes du XXe siècle quasiment sont passés ici. À la fois pour des expositions, ce qui a généré un très beau parc de sculptures en parallèle. Et aujourd'hui, un artiste symboliste, Guy Rachel Gratalou, qui est à découvrir et à admirer. Le travail est à admirer jusqu'au 23 octobre. Et bien voilà, notre balade au cœur du pays de Lyons, la forêt, arrive à son terme. J'espère que comme moi, vous avez été séduit par l'âme de ce territoire, un territoire étonnamment préservé, riche par sa culture et son histoire. Je vous embrasse, salut à tous, à très vite sur la chaîne Normande.